Bonjour tout le monde, je suis Aurelius et aujourd'hui nous retrouvons pour un nouvel épisode de Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Et dès le début, on apprend pas mal de choses, notamment que Benjamin Hunter n'est plus là. Peut-être le reverrons-nous dans un jeu Capcom qui nous prépare la surprise. Peut-être, ou pas, bref. La dernière fois, parce que je m'en souviens plus, s'il y avait un channeling où Maya devait faire revivre une personne morte pour qu'un docteur puisse lui faire signer des aveux. Tu m'expliqueras comment tu fais pour faire une telle chose. Sauf que on a eu des droits à une superbe image Igolashi où Maya, possédée par une tierce personne fantomatique, vient à tuer le docteur. Et on a appris qu'avec un simple Megatana, un objet que les membres féminins de la famille Faye ont à leur cou en guise de collier, grâce à Perléon, on a pu avoir le psychopouvoir afin de pénétrer dans l'esprit des gens. Sur ce, le procès avec le successeur de Manfred von Karma. Envoie du lourd. Qui est cette personne? Je suis toujours prêt. Même si... Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Pas du tout. Enfin... Attends. Non, une femme procureur contre moi, si c'est la première fois. Tu peux pas prendre un nom avec encore moins de... avec encore plus de lettres. Francisca. C'est russe, on est d'accord. Ou allemand, je ne sais pas. Le prodige, la prodige plutôt, je dirais. On n'avait pas dit que les armes étaient interdites au tribunal. La vengeance. Ok.
Qu'est-ce que j'ai fait à son père à part lui rappeler un mauvais souvenir? Hein? Ah, ok, bon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je vous le dis tout de suite. Ça va vraiment pas le faire. Elle se passe du côté un cran en dessous, voilà, enfin au-dessus, tu vois, c'est plus plus technique dans la forme. Mais c'est pas vrai, ça recommence avec la durée des procès. Instant réflexion. Sauf que je ne le ferai sans doute pas. Qu'est-ce que c'est que cette pose? C'est ultra moche. Tu m'étonnes. Oh, c'est le gros balourd. Comme par hasard. Et vous voyez, mais elle commence. Et c'est pas moi qui fait des pieds et des mains pour avoir un truc non coupable. C'est elle qui fait tout. Elle a une arme. Et entre nous, c'est plus elle qui devrait être coupable. Ah, le retour des plans. Au moins on est deux avec le juge à pas savoir ce que c'est. Deux coups de feu. Bah j'étais là donc oui elle était morte. Non, il était mort. Est-ce que je peux dire que c'est plus technique, en même temps c'est un gros dessus des choses que t'as l'habitude de faire, tu vois, c'est dans un domaine un petit peu obscur. C'est ultra chiant quand elle dit ça. Alors, le décès? Oui. Ok, je peux rien faire à part lui poser des questions. Merci. Je vais le voir avant de te parler. Elle m'interrompt même pas, au moins elle est polie. Le successeur de 24 mois ne m'interrompt pas pour mon contre-interrogatoire. Très poli de sa part. Oui, non, ça je m'en fous. Le rapport d'autopsie. Alors, fini par balle dans le front, à bout portant après avoir été poignardé. Bien, bien, bien. Ok, ça là ne m'aide pas du tout. Et là, on a un plan. D'accord, et où sont les personnages, en fait? Bon, j'ai plus qu'à... Bon, ça n'a pas l'air très intéressant. À bout portant, a-t-on relevé des traces de brûlure dans ce cas? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est mignonne comme ça, je dois avouer. Elle est...
Alors ça, c'est très insultant. C'est très très insultant. Bon, au moins ça répond à ma question. Donc la victime s'est allée devant lui. Oui, donc jusque-là, tout se tient. Je peux que poser des questions. Ah, j'ai pas eu l'arme. Un couteau offrit sérieusement les mecs. Partout. Je suis dans le caca. Je vais faire un salto arrière. Alors, j'ai une question. Ça paraît un petit peu stupide de ma part. Si le fantôme qu'on essayait d'invoquer, c'était effectivement le docteur, non, c'est l'infirmière. Une infirmière censée avoir fait des études de médecine, donc elle pouvait techniquement savoir où se trouvait le cœur. Voilà. Donc, je me dis pourquoi l'avoir fini par balle. Peut-être pour être sûr de sa mort. C'est une hypothèse. C'est mon hypothèse. Oui, on a compris, c'est bon, calme-toi. Mais je vais te frapper. Mais je vais t'en foutre une. T'es comme ton père. Bon. Est-ce que je t'ai déjà posé la question? Ah bah non. Aha. Ah bon? Pourquoi en fait tu m'objectionnes pas s'il te plaît? Ah si, 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 c'est très important. Bon bah je suis dans le caca, encore plus que d'habitude. Bon, et ben je suis dans le caca. Bon, et ben voilà, c'est fini. Donc un revolver et un couteau. Alors j'ai une suggestion au niveau du revolver. Il y a deux coups de feu. Je peux appeler un autre témoin. Kepler, que faire, je suis sûr. Il y a un piège. Il y a un piège quelque part. Si je plaide la légitime défense, il sera quand même reconnu coupable. Alors, soit je tente un coup de bluff, soit je fais ce que le jeu veut exactement ce que je fasse, c'est-à-dire la légitime défense. Ou soit je me mets dans la tête du héros, je plaide non coupable.
Voilà, c'est ce que je dis. Mais vous voyez, c'est elle qui fait tout le travail. C'est pas moi qui fais du mal, c'est elle. C'est de l'intimidation du tribunal. Je demande à changer de procureur. Quel autre procureur soit donné à la police. Ah mon dieu. Oui. Oui. Dans les éclaboussures de sang me sont assez étranges. Attendez, si je tire, si je poignarde quelqu'un, logiquement, si je ne lui retire pas le couteau, il y a le sang, enfin, si je ne lui retire pas le couteau, l'effusion de sang ne se dirige pas. Si je lui retire le couteau, l'effusion de sang se dirigerait vers moi, et encore, ce serait un petit peu affaibli par les habits. Par contre, si je lui tire une balle dans la tête, effectivement, il y a du sang, mais pas autant. Sur ce costume. Je demande à faire un contre-interrogatoire. Parce que tout cela me semble étrange. Retourne donc en Allemagne, espèce de nazi. Jonathan Godwin, merci, au revoir. En moins de 20 minutes. J'ai rien contre les Allemands, j'adore les saucisses. Peut-on savoir comment est venu ce sang? C'est logique. Objection. Mais tu vas pas faire comme ton père. Alors techniquement, si tu sais déjà que l'accusé est coupable, c'est bon, ton temps, tu perds plus. Que faire? J'insiste parce que je suis un fou dans ma tête. Et aussi parce qu'il y a sans doute quelque chose de plus sombre derrière ce costume. Ouais, on a regardé dans les manches. Je dis que j'insiste, et j'insiste, tu me fais pas chier. Ah, vous voyez, même Phoenix est d'accord avec moi, donc tu ne contestes pas. Oh. Comment dire le problème? Là. Voilà, y a rien au milieu. Ah, c'est pas ça, merde. J'étais pourtant sûr que c'était là. Dans ce cas, réfléchissons. Non, est-ce que ce serait plus dans ce trou là, attendez, j'essaie de viser. Si c'est pas ce petit trou là, ça doit être l'effet le sang qui se. C'était le trou. Oh oui, oui,
Oui, je sens ma grosse intelligence. Merci de le remarquer, j'ai remarqué au bif aussi. Alors j'ai une question. Ah, je ne pouvais pas vérifier. J'avais raison. C'est bien. Oui, ne sortons pas du contexte, Phoenix Wright. Ne sortons pas du contexte. Exactement. Ce qui veut dire quelque chose. Tu dis plus rien? SF ou ma gueule. Oui, certes, mais je suis pas d'accord. L'omission. À rechercher sur Wikipédia. Ah, même le juge, d'accord. Ouais, non, le juge aussi se fout de ma gueule. C'est pas défendu, tu te fous de ma gueule. Il avait un pistolet. Te fous de moi. Non, ce serait pas ça. Je vais essayer un autre truc. Je pense peut-être avoir trouvé. Peut-être. Défendu. Bon, c'est pas ça. Bon, je me suis gouré. En fait, je pensais qu'il a voulu se défendre avec l'homme. Avec son arme et qu'il y a eu un... Ok, ça m'enlève le double d'opinion. Donc je suis dans le caca. Donc dans ce cas, si ce n'est pas ça, c'est sans doute... C'est pas la clé. Zut. J'étais pourtant sûr que ça allait être ça. N'est pas la clé. Une preuve que la victime s'est défendue. Et la victime s'est défendue. C'est pas ça, je tente des trucs au pif. Je sens que je vais tout faire au pif. Hein? Mais je pif, tu comprends ça? Espèce de vieux. Bon. Réfléchissons attentivement. Je pif toujours. Je pif vraiment, mais je me dis que c'est le costume. Je pense que c'est pas ça. Bah, pif pif. C'était ça? Tu m'expliques, s'il te plaît, en fait, parce que j'ai pas bien compris. Oh, la ferme.
Non, quand même pas. Merde. Ah, c'est trop con. Ah merde. Ah, j'aurais pu gagner au moins. J'aurais pas niqué toute ma barre de crédibilité, on va dire. Qu'est-ce que t'as à dire? Espèce de procureur, voilà. Ah merde, c'était un piège. Ah là, pas gentil. Elle m'a tendu un piège. Espèce de quête, voilà. Merde, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merde. Quoi? Attends. La victime étant trop proche de l'accusé a raté son coup. Mais tu te fous de moi en fait? Est-ce que dans cette... Juste dans la phrase là, dans tout ce que tu viens de dire, il y a un truc qui va pas. Mais largement. C'est l'heure de poser des questions. Bon, jusqu'à ça, ça se tient. Est-ce que j'ai le plan? Oui. Je vois difficilement un poignet de fruits de toute façon. Y avait-il un panier de fruits sur les lieux du crime? Oh! Attention, coup de fouet dans 3, 2, 1. Ah non, objection. Bah, premièrement, en y mettant tout à fait. Oui, et ben, qu'est-ce que cela change? Oula! Mais elle est renseignée. Oula, mais elle est bien renseignée, dis donc. Je croyais que ça relevait plus du fanatisme qu'autre chose. Ça, je peux comprendre très bien. T'as pas déjà dit, mais tu viens de la dire cette phrase deux fois. T'as juste changé les mots, mais tu l'as dit. Spécialement pour l'occasion. Elle voulait tuer le mec, la personne qui faisait des challenges. Alors
Alors ça, je suis désolé, mais tu te fous complètement de ma gueule. Comment tu peux rater une personne à 2 cm de ton visage? Il y a beaucoup trop de sang pour un impact pareil. Oh wait, une expression m'a intrigué chez Von Karma. Je suis en train de me dire qu'elle se fout de ma gueule. Et je crois que je viens poser des questions. On est en face de channeling, mon petit gars. Techniquement, l'infirmière aurait déjà manipulé une arme. La logique, je me la carre au fond de mon... Voilà, je me la carre au fond, quoi. Je suis sûr qu'il se fout de moi. Je suis sûr que quelque chose ne va pas avec ce qu'il me dit. Ouais, quelque chose... Je dois présenter une preuve. Est-ce que je fais le péfomètre ? Donc, réfléchissons un petit peu. C'est pas le costume, ni le couteau, le revolver peut-être. Rapport d'autopsie, rien à foutre. Bon bah, je m'en fous, les coupures de presse, sert à rien. Le magatana, ça va pas me servir. Cette clé pour me servir, hein, pas maintenant. Ce plan de niveau sert à rien. Le paravent. Pifomètre. Faut mettre raté. Au revoir. Allez donc vous faire foutre. Non, ça se sera fait. Oh, wait une seconde. Non. C'est pas vrai, je me serais trompé. Oula, le jeu a freeze, c'est super. J'aurais dû m'en douter, pourquoi j'étais aussi débile. Allez, réfléchis. Réfléchis deux secondes. T'as dit, il a raté la cible. Comment j'explique ce trou? Non. Je savais qu'il y avait un piège. Les trois petits points de Von Karma voulaient tout dire. Oui. Exactement. Comment expliquer cela? Hein? Je l'ai ok avec ça. Exactement. Va te faire foutre. Ouais, pourquoi pas. Aussi. J'en pense que je pense savoir qui a fait ça, enfin plus d'où il a fait ça. Oh, elle est mignonne. Oui, certes. C'est vrai. Mais...
j'en pense que... Réflexion ultime. Réflexion fou. Quelque chose ne va pas. Parce que la musique s'est arrêtée. Majeur. Comme mon doigt. Que je tends discrètement face au procureur. Une pièce à conviction. Réfléchissons. Ce qui me chiffonne, c'est ceci. Oui, c'est ça. Ouais, le petit trou. Est-ce que t'as écouté ce que j'ai dit? Exactement. Tu la sens encore plus, mon intelligence? Et ma chance aussi. Voyons. L'accusé s'est donné ici. Que je ne me trompe pas. Alors attention. Il faut pas que je me trompe et que je vise extrêmement bien. Allez. Je vise bien ici, techniquement. Enfin, victime. Allez. Ah bah en plus il y avait un gros carré. Donc ça va. Je pouvais me permettre de faire une petite faute de 1 pixel. Voilà. C'est impossible. Tu devrais avoir la réponse quand même. Oh, tu me déçois. Exactement. C'est même toi qui l'as dit. Oh, tu flippes ta mère. D'avocat, merci. Cela change tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Voilà, c'est bien. Il y en a moins qui suit. C'est déjà ça. Oh. J'aime pas quand cette musique s'arrête. Ça veut dire que je suis au-dessus des idiots de ce pays idiot. Hein? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ah mon dieu, un fouet! Oh là là, j'ai peur! Bah, parce que je l'ai démonté, ta logique. Maîtresse SM, c'est tout ce que j'ai à dire.
Non, c'est obligé que ce soit Eva, parce que Eva. Voilà, vous savez, si vous savez le jeu de mots avec Eva, tout est dit. Et c'est ici que ça s'arrête. Bah, très bien. Mon Dieu. Un petit procès là, tranquille. Je pense que la suite sera pour bientôt. La suite dans le prochain épisode, même si il y a une part de mystère autour de ce meurtre mystérieux. La question à savoir c'est, est-ce que Eva va encore dire de la merde? Est-ce qu'elle va se tromper? Est-ce que ces photos vont nous permettre de savoir ce qu'il s'est réellement passé? Vous l'apprendrez en même temps que moi dans le prochain épisode de Phoenix Wright. Bon jeu et à la prochaine!